Salut les amis. Je profite de cette petite escapade randonnée non loin de la Goulandière, du village de la Goulandière, pour vous présenter ma nouvelle gourde Oco. Sous les conseils de plusieurs randonneurs, où j'ai une grande amitié avec eux aussi, ils m'ont conseillé, moi David, d'investir sur la nouvelle gourde Oco, brevetée par la NASA. J'aurai l'occasion là, tout de suite, ici à la fontaine de Pétouze, et que j'ai déjà utilisé 4 fois déjà. Voilà. Et, au biais de cette vidéo, je vais avoir le plaisir de vous partager et de vous décrire cette gourde. Alors, passez 1 litre d'eau à travers le filtre afin de nettoyer les poussières de la fabrication en usine. Ensuite, vous pourrez boire de l'eau filtrée. Moi, personnellement, je préférais choisir la bleue. Il y a d'autres coloris. Hein. Voilà, moi je préfère. Allez, je vais l'ouvrir. Son emballage, je pense que je vais y arriver. Voilà. Peut-être le tourner dans ce sens. Voilà. Avec le. On demande, bien sûr, je vais la mettre là, la boîte. Bien, voilà. Donc on nous demande bien sûr de retirer le contenant de la gourde. C'est votre manuel d'utilisation. Très bien. Allez. La flaque est souple et un contenant de 1 litre. On nous demande aussi de faire une première expérience pour dévisser le filtre. Très facile. Très facile à dévisser. Et surtout, ne jamais nettoyer le filtre avec du savon, liquide vaisselle. Ça abîmerait le filtre. Voilà, je resserre, pas besoin de serrer trop fort non plus. Première expérience de la pipette. Ah, voilà, on se retire assez facilement. Voilà. Voilà. Et de revisser. Voilà, voilà. Facile. Voilà, je mets ça ici. Et je remplis la gourde en sa totalité pour nettoyer les résidus de poussière de la fabrication en usine. Et de là, je vais pouvoir commencer à boire avec ma gourde Oco. Donc, je vais filtrer ma gourde Oco, 1 litre. De là, je pourrai l'utiliser à tout moment,
Alors, je retire le capuchon de la pupette et je le coince avec le mousqueton là. Voilà. Voilà. Je tire un tout petit peu la pupette. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et j'exerce une pression. Un débit remarquable. Une demande de filtrer 1 litre. Étant donné que ma gourde a un contenant de 1 litre, une seule opération suffira. Voilà. Donc, je vais vous présenter ma nouvelle gourde OCO, brevetée par la NASA. C'est pour dire que c'est quelque chose, hein. C'est du costaud. Je m'en suis servi déjà 4 fois, mais pour la démonstration, je l'ai remis dans son emballage. Donc voilà, c'est l'emballage de la gourde, hein. Que je vais déballer à nouveau devant vous et que je vais tâcher de décrire. J'ai pris des notes, donc pour ne pas dire n'importe quoi, au moins j'ai tout préparé à l'avance. Allez, je vais le mettre ici. La gourde co avec son filtre qui peut filtrer jusqu'à 400 litres. Au bout de 400 litres, il faut changer le filtre, hein, qui est très facile à démonter. Vous voyez, tout simplement. Et je vous mettrai le site de vente de cette gourde où justement on peut trouver des filtres à rechange, une trentaine d'euros je crois. Voilà. Bien. J'espère que la caméra est bien fixée là, parce que le bord il est très glissant. La caméra, bien qu'elle est étanche, elle tombe pas dans l'eau. Allez. Avec la place,
très souple. Et je vais vous faire déjà une démonstration comment je l'utilise. Alors j'ouvre bien sûr ma petite protection, je la coince avec mon mousqueton. Je tire un peu la languette. Vous voyez le débit comme et très pratique, hein. Avec cette, et je suis très content d'avoir acheté cette gourde. Qui a un certain prix, mais ça en vaut bien la peine, hein. Surtout si on fait attention comme moi à sa santé. Dans la nature, toutes les sources ne sont pas contrôlées et on n'est pas sûr de choper une saloperie ou quelque chose. Donc il est bien d'investir dans ce genre de matériel, que je vous assure. Ça en vaut la peine. Je vais vous décrire en partie les caractéristiques de cette gourde. Alors, au préalable, j'ai pris quelques notes qui seraient utiles en information sur les caractéristiques de cette gourde. Je vais essayer de faire court. Alors, la gourde filtrante Oco 1 litre a un filtre breveté par la NASA, conçu pour toutes les aventures en dos, bivouac ou autre, hein, ou simple promenade. La gourde filtrante d'un litre de la marque Oco pèse 172 grammes, garantie pour une eau pure, avec une filtration rapide et efficace de 99,99% contre les virus, les bactéries, les micro-organismes, les métaux lourds, les médicaments et aussi les microplastiques qui se trouvent dans l'eau. Sont totalement éliminés. La filtration est immédiate en pressant la gourde. Fabriquée en plastique, polypropylène, sans BPA, ni agent toxique. Le filtre Oco permet une filtration en trois étapes. Composé de filtre minéral naturel incorporé de charbon actif. Avec sa poire, aucune particule en dessous de 1,4 micron ne passera dans l'eau que vous consommerez. La gourde Oco se lave à la main ou au lave-vaisselle. Attention cependant, retirez toujours le filtre avant de nettoyer pour ne pas l'endommager. Voilà. La durée de vie de votre gourde Oco peut être moindre selon la qualité de l'eau que vous allez filtrer. Donc si vous utilisez, enfin si vous
remplissez votre gourde d'une eau très 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 sale, votre filtre ne tiendra pas 400 litres. Hein. Voilà. Allez, je continue. Avec un débit de 2 litres par minute, soit 6 mois d'utilisation quotidienne, le filtre est à changer dès que le débit diminue. Et si vous craignez d'aller au-delà de la durée de vie de votre filtre de la gourde Co, je vous propose une application que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Ça s'appelle Oco Counter. Donc Counter. Oco Counter. D'accord. Je ne vais pas y arriver. Pour indiquer le remplissage au fur et à mesure de son utilisation, ce qui vous permettra de commander un filtre de rechange et d'avoir toujours de l'eau potable quand vous partez à l'aventure. Voilà. Bon, j'espère que ma petite description vous a plu. Vous voyez, hein, c'est une petite vidéo de démonstration hein, de cette... toute manière, je vous mettrai, comme je l'ai dit à l'instant, je vous mettrai le lien où vous pourrez vous procurer ce gourde Co. Et bien voilà les amis, si cette petite vidéo de la démonstration à ma manière vous a plu, comme d'habitude... Je vous invite à me laisser un commentaire. Pour le reste, faites attention à vous. Et si vous pouvez, sortez dans la nature. Ça fait du bien. À très bientôt, les amis.